Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule eh bien, pour vous parler de l'archange Métatron, mais vraiment en deux mots, n'est-ce pas? Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges, il est le plus près du divin. Et en réalité, Métatron et son frère jumeau, Sandalmon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien Métatron a vécu sur terre comme Sandalmon. Grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous, humains, nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet ainsi de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de l'archange Métatron est le vert foncé. Alors là, je vais vous citer une prière avec l'archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre, dans un murmure, la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient et n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain.
De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie avec toute ma gratitude. Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022. Dernier message pour moi, n'est-ce pas? Vous savez que je termine ma semaine le vendredi avec vous. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée hier. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et puis, je vais commencer par la pensée, puisque tout passe par la pensée. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la porte et la clé. Osez. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, du lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Ça, c'est un beau message, n'est-ce pas? Sortir de sa zone de confort, c'est prendre des risques, mais cela veut dire que, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces portes, eh bien, ce sont les peurs qui nous stagnent. Alors, depuis le début de votre incarnation terrestre, n'est-ce pas? Vous avez vécu une foule de situations diverses, des tests de l'univers en quelque sorte. Pourquoi ces tests? Eh bien, c'est pour savoir si vous êtes prêt. Prêt à quoi? Bien, à oser et à faire de votre existence la plus belle, belle, belle aventure. Dans votre nouvelle demeure de lumière, celle que vous construisez présentement afin d'ascensionner vers le divin, cette porte et cette clé sont les instruments de la source afin de vous guider, tout simplement à vous ouvrir à de nouveaux horizons et à accueillir l'abondance. Mais pour ça, il faut sortir de votre zone de confort et entreprendre un nouveau virage de votre vie qui implique peut-être, eh bien, peut-être de changer de travail, peut-être de déménager ou de déterminer une relation ou de terminer une relation qui vous freine dans votre évolution. Sortez de votre zone de confort. Posez-vous la question aujourd'hui, mais qu'est-ce qui me freine dans ma vie actuellement, présentement, qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui me freine? Pourquoi ne suis-je pas heureux aujourd'hui? Pourquoi je ne me sens pas bien avec les acquis que j'ai? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça vous convient? Oui. Parce que
Vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous savez que tout est là. Sortir de sa zone de confort, juste agrandir votre zone de confort, vous permettra de voir d'autres horizons. Et pourquoi pas laisser le passé derrière soi? Pourquoi pas changer de travail, déménager? Vous viviez peut-être présentement une relation toxique qui vous freine dans l'évolution de votre vie. Cette carte, elle vous invite, eh bien, à vous libérer des peurs de vos parents, des peurs de vos grands-parents, des peurs peut-être de vos ancêtres qui sont enfouis en vous. Il serait bon aussi, peut-être pour certains d'entre vous, de nettoyer vos mémoires cellulaires, parce que tout est dans les mémoires, tout est dans la mémoire, dans les mémoires cellulaires. Donc peut-être travailler là-dessus. Et cette carte, elle vous demande aussi de sortir de votre zone de confort. Et pourquoi pas aujourd'hui décider de faire une nouvelle chose? Quel beau message encore pour terminer cette semaine, cette première semaine du mois de mai. Merci. On va remercier l'archange Métatron de cette belle semaine que nous avons passée avec lui. Et je termine avec l'énergie de guérison, la voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition, eh bien, me montre le chemin de la lumière. Je terminerai. Pensée positive, n'est-ce pas? Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste. Élève-toi le matin. Remercie l'univers pour la belle journée que tu vas passer. Présentement, aujourd'hui. Quelle belle semaine que nous avons passée ensemble. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie tous les abonnés. Merci pour vos commentaires, vos messages. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un très joli week-end dans l'amour, dans la joie. On se retrouve pour une prochaine capsule. D'ici là, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de ceux qui vous entourent. À tout bientôt.